Salut tout le monde, c'est Nexos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder avec du russe. Eh oui, du russe, putain, moi qui déteste cette nation. Et aujourd'hui, on va jouer avec le Yak9T. Donc cette vidéo fait directement suite, là je la tourne juste après la vidéo avec le Bowfighter où j'étais en train de me plaindre. Ouais, les 37 mm, ils sont cheatés, machin. Donc je veux vous montrer vraiment la puissance du 37 mm dans ce jeu. Sachant que j'ai aussi le Yak9K. Qui... Ah non, j'... Ah bah non, je l'ai pas. Qui lui a du 45 mm. Donc c'est encore... C'est encore un peu plus. Voilà. Bon bah c'est tout. On va lancer une partie sur l'event qu'il y a en ce moment. Vous voyez, le Yak9T, un event contre les Allemands. Donc, du challenge, là, il y a du PF109G6. Ça peut être sympathique. Serveur européen, j'ai essayé serveur US, ça laguait. Donc, tant pis, on va galérer à trouver une partie, mais on va en trouver une. Allez, à tout de suite. Re, donc voilà, j'ai trouvé une partie, et plutôt rapidement en plus, hein, je suis content. Avec ce magnifique Yak9T, donc vous voyez, hein. Là il y a un gars au Yak9K avec le 45 mm, foie. Il doit déboîter cet avion, je pense. Elle a 5 FN, hein, j'avais dit dans ma vidéo avion, dans ma vidéo avec le Bowfighter avion, très très bon, très 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 bon. J'adore en façon, mais waouh, mais c'est quoi ce ping? Il se passe quoi? Eh, la connexion. D'accord. D'accord, donc... Ouais, vas-y, mets-moi 4000 de ping aussi, non? Ouais, je préfère. Ok, la connexion qui a dit... non, je pète un coup. Hein. Eh! Oh là là, j'ai vraiment pas de chance. Déjà avec le Bowfighter, là, tout à l'heure, je me faisais violer, je faisais n'importe quoi, et puis là, la connexion, elle me dit... Non, arrête de jouer. Stop, tu arrêtes. Non, mais s'il te plaît, arrête. Arrête. Ouais, parce que j'ai pas une connexion de ouf. Hein. Allez, descends. Non, mais descends, ne remonte pas. Oh. Voilà que je parle à ma connexion internet. Pff. Non, mais sérieusement, 1000 de ping. Qui a 1000 de ping? Dites-moi. C'est pas possible, il se passe quelque chose. D'habitude, ça passe, en attendant un peu. Non, mais c'est pas possible, à cette heure-là, y a personne sur internet chez moi, y a rien. J'ai pas de mise à jour qui s'est lancée. Voilà, redescends. Et stabilise-toi en bas aussi. Non, mais putain. Fais chier de merde, là. Non, ça, j'en peux plus de cette connexion. Elle me prend la tête, mais... SFR, ouais. Ouais, trop bien. Parce qu'avec 1000 de ping, je peux pas jouer. Hein. Les ennemis se téléportent. Ou bad network connection. Ouais, j'ai remarqué. Merci. J'ai pas besoin de ça. Tu peux l'enlever. Oh là là, mais. Eh, hey, stop! Oh là là. Bon, je reviens. Voilà, problème résolu. Mon petit frère qui était en train de regarder une vidéo sur YouTube, sur sa tablette. Donc forcément, c'était en train de me défoncer la connexion. Regardez, ça va mieux là, 67. Ah, je suis... Voilà, voilà. Du coup, j'ai fait un... J'ai continué ma route, hein. J'ai juste monté. Et du coup, bah voilà, on se retrouve avec les... Avec les ennemis. Nya. Par contre, j'ai l'eau qui surchauffe. Oui, 50%. Allez.
Est-ce que j'ai du monde avec moi? Oui, mais bon, connaissant ma chance, voilà, le Focke-Wulf va venir sur moi. Parce que, je sais pas, j'ai une tête à être abattue, je crois. Oh putain, faut que je réagisse au fait. Mais sérieusement, y a qu'à moi que ça arrive, ça. Pilote tué. Sérieusement. Oh là là. J'ai vraiment pas de chance ce soir. Vraiment pas de chance. Bon allez, à tout de suite. Bon, voilà, j'ai vraiment pas de chance. Y a qu'à moi que ça arrive, ça, de se faire tuer le pilote comme ça. Une mort sur trois, c'est mon pilote qui se fait tuer. Mais moi, par contre, dans l'autre sens, je tue jamais le pilote, hein. J'ai beau mettre je ne sais pas combien de balles dans le cockpit, dans la partie centrale de l'avion, jamais je tue le pilote, non. Non, ça c'est... Moi j'ai un pilote en mousse, par contre tous les pilotes ennemis ils sont en acier trempé ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, je rage et alors, ça fait chier. Non, ça me saoule, c'est une perte de temps. Une perte de temps. C'est relou. Plus là je suis tout seul donc je vais me faire pawn. Ah non, faut que je fasse quelque chose. Hein. Tout à l'heure sur cette map, j'ai mis un crit à un avion à 1 300 km. À 1 300 mètres, j'ai tiré au 37 mm. Boum, critique. Oh! Là, j'étais content. Non, ça l'a pas tué malheureusement. Ça aurait fait un putain de beau, kill quand même. Le kill comme ça directement à 3, à 1 km. Ça a vraiment été excellent. Mais... Ah! Ben, ça y est. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Vous voyez, l'avion grimpe, mais rapidement, cet avion. Par contre, l'eau surchauffe vite sur cet avion, mais c'est... Si vous montez normalement un peu mieux que eux, vous arrivez plus haut, et vous leur piquez dessus en mettant vos gaz à 0%, en piquant, ça fera plus d'air, du coup le moteur va refroidir vachement vite, et après vous serez tranquille, hein. Par contre là, il va falloir que je fasse gaffe parce que je surchauffe bien là. Plus c'est ça, il y a quand même une gestion des degrés qui est assez sympa. Si vous mettez à votre vitesse moins forte à haute altitude, il fait plus froid, donc votre moteur refroidira plus vite. Ouais, là j'ai déjà perdu quelques petits degrés. Où est-ce qu'ils sont là? Sérieusement? Là j'en ai un. J'ai un Focke-Wulf qui va sûrement se faire violer par les Yak-9. Les gars, quoi, ça vous sert d'attaquer notre base avec les bombardiers de daube que vous avez? Sérieusement? Faut m'expliquer des fois comment ils jouent. Mais là il n'y a personne d'autre. C'est sérieux? Sérieux qu'il n'y a personne d'autre là? Ah, oh. Eh bien, un petit. Il faut que vous le fassiez un 109, non? Non, vraiment pas? Vraiment, vraiment pas. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ah, voilà, ils sont là-bas. Je me disais, c'est... Oui, là, vous voyez, regardez, mais... Eh, ils y arrivent pas avec ce 109, hein. Et devoir aller les aider, hein. C'est pas possible. À l'attaque! On va se calmer. Au niveau de la vitesse. Et on y va. Un BF 109G.
Ah bah ils sont là les méchants. Oh j'ai eu un freeze là. Et voilà. 37 mm POA. Allez le petit Junker, j'ai eu 87. Pas me faire dogfight par ça quand même. Oh, y a un minimum de respect à avoir. Voilà. Il est où le problème? Je vous avais dit que le 37 mm c'était abusé. C'est pour ça moi j'adore cet avion. C'est un peu le petit sniper, tu vois. Allez, tiens, mange le champ enneigé. Voilà. Mais ouais, cet avion, vous allez, si vous jouez avec, vous allez voir. Hein. Vous amusez, mais vas-y, allez. Petit shot au pif. Ah bah non, il s'autodétruit. Oh non, c'est nul ça. Et vous voyez la puissance en vous one-shotter, hein, c'est quasiment à chaque fois. 37 mm, de toute façon, c'est quasiment sûr que vous one-shotez. Si vraiment vous one-shotez pas, c'est que vous tirez sur un bombardier, que vous tirez vraiment dans l'élément principal. Mais si vous tirez sur l'aile ou sur quelque chose comme ça, c'est... à coup sûr, c'est un kill. Je vais aller vous le prouver sur ce dornier, hein. Est-ce qu'on est loin de sa base? Ah, je l'ai perdu de vue. Ah, il est là. Ah, bah il a l'air de vouloir venir me voir. Par contre, il y a lui aussi qui a l'air de venir. Tac. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Il est tellement mort. Putain, ça le frôle, hein. Vas-y, arrête de bouger 5 secondes. Toi, t'es mort. Cinq balles. Couche panier. Et le dornier qui s'est fait complètement violer. Wouah. Oh, oh. À l'aise. C'est moi qui l'ai eu comme ça ou... Ah non, oh j'ai cru. Non, je sais pas si c'est moi qui les shot comme ça, ça. Oh, c'est dommage. Ah, j'ai eu fausse joie de l'extrême, là. Eh, je croyais vraiment que c'était moi, là. Je croyais que c'était moi. Putain. Oh, on est déjà à 3 kills, hein. C'est... Et une assiste, hein, ça. Ça, c'est une bonne partie. Où est-ce qu'il serait le dernier? Il a fait une unité au sol. Il serait pas par là, tiens. On va ralentir un peu le moteur histoire de refroidir le moteur. Il dit qu'il peut rien faire. Il dit qu'il touche rien avec son 37 mm. Moi, je suis pas d'accord, ça va tout seul. Hein. 3 kills. Par contre, va falloir bien viser quand on aura trouvé le dernier. Ah bah non. Ah bah c'est fini. Nice. Bon, bah c'était une bonne petite partie, là. Malgré le fail de la première partie où je me suis complètement fait... One shot le pilote d'une façon... Pff. Oh j'en ai marre. Mais bon, j'ai fait une bonne partie derrière. 3 petits kills, c'est intéressant. Donc voilà, c'était Nexos avec le 37 mm POA. Vous voyez, hop, 3 kills, les petits rewards, 3000 points de recherche. Bon, même si le LA9, hein, ça prend un peu de temps, mais bon. Et ben voilà, hein, j'ai bien pu vous prouver que le 37 mm c'était abusé. Et d'ailleurs j'ai pas compris, hein, j'ai tiré une balle, j'ai arraché deux ailes. Allez m'expliquer.
Mais bon, pensez à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Nexos.